Cal Kestis, ramène-toi, nom d'un petit bogling. Oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Sois le bienvenu au Pailoon Saloon, la meilleure cantina de ce côté de Zeltros. C'est un tunnel de contrebande. Il était déjà là quand j'ai eu la cantina. Vas-y, jette un coup d'œil. Je garde des pièces de rechange là-dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il faut pour réparer le Mantis. Tu t'appelles Zed? Oui, c'est ça. Comment vas-tu? Oh, non! Je suis prise au piège. Je suis prise au piège depuis... Depuis combien de temps? Oh! Oh! Rien de tout ça n'était ici la dernière fois que je me suis trouvée là. Oh! Et le ciel était rempli de météores. Oh, j'ai dormi pendant un long moment, c'est ça? Oui. Mais ne t'en fais pas. Tu n'es pas seule. On va te remettre sur pied. Tu ne portes pas la bonne tenue, mais... Je suis désormais certaine que tu es un Jedi. Allez, viens. Et on est parti pour cette suite de Jedi Survivor. On retrouve notre héros Cal et notre BD1. On doit ouvrir la porte. Alors, j'ai envie de changer un peu la personnalité de Cal. Faut juste voir ce qui se passe. Nouveau, c'est quoi ça? Ouais, non, ça je m'en fous. Alors, cheveux, monte cheveux. Ah, cheveux, j'ai pas. Mais j'ai la barbe. Court. C'est... Attends. C'est quoi, court? Non, c'était comme ça. Ah, voilà. C'est moi, il me plaît comme ça, Cal. On va essayer avec, un petit peu avec une barbe, un peu comme ça. Voir ce que ça donne. J'aime beaucoup. Hop, la veste. Alors j'ai une veste de... Je sais pas si c'est Jedi ou je sais pas quoi. Non, on va garder comme ça. Le haut. Ah, c'est vraiment... Ok, d'accord. Et le bas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Mais ça a l'air, il a l'air plutôt pas mal comme ça. Ah, on peut changer la couleur de... D'accord. Ah, comme ça, moi, ça me plaît. Un peu sombre. Et le pantalon. On peut changer la couleur également. On va mettre plutôt... Comme ça. Je pense que... Ouais, c'est pas mal comme ça. Et ben voilà. Cal, il est pas mal comme ça. Bon. On va aller à l'objectif. Du coup... Alors, on avait ça à voir. Mais justement, dans la précédente, dans la vidéo précédente, on devait... voir si on pouvait pas détruire une porte avec la bombe d'un des drones, enfin des droïdes. Donc on va voir. En tout cas pour l'instant le jeu me plaît.
Alors, comme d'habitude, hein, pour ceux qui suivent mon évolution sur YouTube et l'évolution de ma vie, voilà, j'avais arrêté Gran Turismo parce que je travaillais, mais il y a encore eu du changement et. Voilà, je vous en parlerai plus tard, mais. Je suis vraiment un poissard, quoi. Ah, donc comme ça, non, ça ne fonctionne pas. Il faut que je trouve quelque chose pour péter ça. Mais je ne sais pas quoi. Alors, attendez. Juste voir. Ici, ouais, il n'y avait pas les bombes, les bombes là. Ah, j'avais pas vu le droïde. Bon, bref. Bon, on va le faire plus tard. Je pense qu'il faut le faire plus tard. Ah, faut grimper en haut. Ah oui, par au-dessus. Ok. Ici, il y avait une grosse bête. Ici, il y a... D'accord. Alors, est-ce qu'ici, il n'y aurait pas une bombe? C'est quoi ça? Non, ok. Par ici, qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas l'ouvrir. Ok. Je regarde, je chipote un petit peu. Je regarde un peu ce qu'il y a. Ça, c'est quoi, ça? Ok. Oh! Ah non, ok, d'accord. Ah, là, il y a quelque chose. Ah. On va regarder ce qui se passe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a, là? Un écho. Pourquoi tu m'as fait venir? Je ne t'aime pas et tu ne m'aimes pas. C'est vrai, mais tu m'ennuies moins que tous les autres bouffons dans ce trou perdu. Et je crois que tu penses la même chose. Qu'est-ce que tu dis? Crache le morceau. Tu sais très bien ce que je veux dire. Et si ça te plaît pas, tant pis pour toi. Ça, je peux pas le faire. Ça, ça serait une espèce de bombe, à mon avis. J'ai pas encore les capacités. Donc ici, il n'y a plus rien. Donc on va aller voir ce que... Par là-bas. Bah, okay. Ah, non, pas. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais redescendre alors. Hop. Ok. Bon. Alors ici, je peux pas aller, je peux pas aller, je peux pas aller. Faut que je vais là-bas, mais j'ai un objectif, ouvrir la porte. Ici. Bon, je vais aller là. Et on verra bien ce qui se passe. Attends. Ici, peut-être. Je vais aller voir là. Ce qui se passe par ici. Où j'y ai déjà été, je pense. Non, c'est pas par ici que je viens. Je crois que j'ai déjà été ici, non? Elle est un peu compliquée, la carte, à comprendre. Objectif principal. Aller à l'avant-poste de la vallée du vagabond. Donc c'est par où? Bon, je vais aller par là. On va voir. Attends, je vais juste voir
ce qui se passe par ici. Donc ici il y a un gouffre. On peut pas regarder. Ok. Bon. Désolé, j'ai un truc qui s'était affiché sur mon ordinateur. Donc j'ai été voir. Ah. Bien le bonjour, voyageur. Ah ouais. Salut. Bah. Salut. Faites pas attention à la bestiole. Elle aime pas les étrangers. La montagne non plus d'ailleurs. Soyez prudents. On va essayer. Merci. Elle est classe comme ça. La folie des prospecteurs qu'on l'appelle. Le terrain est traître. Et grouille de toutes sortes de dangers. On a un peu l'habitude. Ouais. Ah, c'est pas mal. J'aime bien Cal comment il est comme ça. Allez. D'une croûte de sel, quelle cacophonie! T'as des clochettes aux pieds! C'est qui ça? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Faut sentir l'écho. Attention! C'est bon, pas la peine de. Ouh! Je te tiens, Shanna! Ah, oui, merci. Tranche du haut, ici. On a. D'accord, ok. Ça c'est quoi ça là-bas là? Un truc orange qui flotte. On va juste regarder par ici, voir ce qu'on a. Alors on est où là? Ok, on est là. Ah, là il y a un coffre. Toujours fouillé. Les cheveux gominés. Pourquoi ils sont pas... Ah non, ils sont pas gominés. Scanner. Regardons ça. Regarde ça. Ascenseur. Ok. L'ascenseur n'est pas accessible. D'accord. Donc ici il y a de l'eau. Là il y a quelque chose à accrocher. Et ici c'est quoi? Comment tu t'appelles, gamin? Je veux connaître ton nom si jamais je dois t'en vouloir. C'est quoi? Moi, ce c'est petit Cal. Bonhomme. Et voici BD1. Ma vieille mère m'a appelé Scuba Steve. Je suis Scuba le pêcheur. Tu sais, il y a un aquarium au Pailoon Saloon qui aurait bien besoin qu'on s'occupe de lui. Le Pailoon Saloon? Ce bar de pieds secs mal famé au fond de la vallée? D'accord, d'accord. Tu forces la main? Très bien. Retrouve-moi au saloon et on regardera ce fameux aquarium de plus près. Ok, nouvelle recrue, Scuba. D'accord. Je savais que tu reviendrais. Ceux qui goûtent aux embruns sont condamnés à revenir à la mer. J'imagine. Tu m'as tout l'air d'un pêcheur. Heureusement pour toi, on est juste au-dessus de la tanière du poisson-ci. Ce poisson t'intéresse? C'est ça. Il est impossible à attraper. Aucun pêcheur sain d'esprit s'en prendrait à un tel adversaire. Aucun. Sauf... Scuba Steve. Que? Que? Ah ouais. T'as vu ça, petit? C'était très impressionnant. Tu me prends encore pour un amateur. Je te crois. Pas d'autre choix que de te régaler de mon histoire la plus sinistre. Reste ici. Et je t'apprendrai un ou deux trucs sur le vieux Scuba Steve. Allez, vas-y. Tu veux tendre l'oreille et entendre l'histoire de Scuba? Si tu veux partager tes histoires, j'écoute. Tu fais fausse route, mon garçon. Mon conte sordide ne t'apportera que regrets et souffrance. D'accord. Si tu veux rien nous dire, on va... Très bien. Puisque tu insistes, je te dirai tout. Mais t'as été prévenu. Mon histoire commence dans un petit village, sur les rives gelées de Sakavitar, mon monde d'origine. Des nuits noires comme les entrailles d'un poulpe, des hivers si froids qu'un regard hostile te changerait en glace. À t'entendre, ça a pas dû être une enfance facile. Horrible!
Du moment où le lait de ta mère gèle sur ta langue, au moment où tu t'effondres dans les détroits gelés. Tu vois, les poissons, ils étaient pas mal lotis. Ils étaient loin sous la glace, où les courants chauds dansent comme des rubans dans le vent. Pêcher des proies aussi rares, à cause de la grande famine poissonneuse, c'était pas une mince affaire. Mais même si je me plains maintenant, la vie était plutôt paisible pour un petit sacavien qui savait pêcher. T'as découvert ta vocation très tôt ? Une telle vocation que, alors que j'avais à peine mes premiers poils au menton, on m'a accordé un entretien avec Gundon. Mais ce sera pour la prochaine fois. Ok, ça risque d'être loin. Désolé pour le chien au fond. Un conseil, gamin. Si tu comptes escalader la montagne, t'auras besoin d'une poigne solide. Ah, c'est bon ? On a fini ces dialogues ? Ok. Bon. Alors, j'ai pas le choix d'aller là, de toute façon, je pense. Alors, on peut nager. Alors, je m'en souviens plus qu'on pouvait nager dans le... dans le Fallen Order. Ouh, là, il y a un coffre. Et quoi, j'ai pas de, d'oxygène ? Pomo. Ok. Ah si, ah si, il a mis son appareil, d'accord, ok. J'ai compris. Alors, ici. Est-ce qu'on a un truc ? Par là-bas. Est-ce qu'on aurait... Ah, on a un trésor là. Hop. On vendra ça à la boutique de demain. Bah oui, mais comment on fait pour vendre ? C'est ça que je comprends pas. Ok. Allez, on y va. Donc par ici. Désolé hein, si je prends mon temps, mais voilà, moi c'est mon gameplay, c'est comme ça que je fais. Voyons ce qu'il y a là-bas, BD. Oh. Oh, point de visitation, attention. Respire. Ok. Alors, se reposer. Alors, compétences. J'ai deux points de compétences. On va continuer à faire la survie. Alors, maintenez rond pour esquiver automatiquement les attaques au corps à corps. Afficher la capacité. Ah oui. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Cal récupère plus de santé lorsqu'il utilise une capsule de Steam. Les capsules de Steam rechargent une partie de votre jauge de force. Ah, on va faire ça. Hein. Voilà, comme ça au moins on maintient. Alors je pense que ça utilise la force. Ouais, cool. Alors est-ce que ça utilise la force ? Alors là-bas il y a un truc. Ah. Ah non! J'ai cru que j'allais tomber. Ok, nouveaux ennemis. Voyons voir. Alors, ressentir l'écho. Ce sera pas facile. Pense au trésor, Shanna. Allez! D'accord. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un trésor là-bas. Ok. Ah, on a même ça. Ces graines méritent une terre de bonne qualité. Celui-ci est pas mal. Ok. Ensuite. On n'a rien d'autre. Donc là, on a des... On va aller les voir. On va aller les voir. Normalement, on peut pas passer. Hein. On va aller voir ça. Attention soldats, un truand en vue. On
Abattons-le. Négatif, ce champ de force peut résister à toutes les attaques des autochtones. Ah, on peut leur parler. Salut. C'est interdit au public. Demi-tour, vermine. Je ne fais que passer. Rien de plus. Tout ce qui dépend du racier ne peut pas traverser ce mur d'électrons. Prêt à faire feu, chef. Abattons-le avant qu'il devienne gênant. Négatif. On a des ordres. Tu ne pourrais pas faire une exception ? Tu sens ça, vermine ? C'est de l'air impérial que tu respires. Alors recule avant que j'oublie mes ordres et qu'on voit si t'es aussi coriace que ça. Répète-moi ça sans le bouclier pour voir. Tu vas désactiver ce bouclier. Alors, inoffensif, autorisation. Autorisation. Je t'ai déjà montré mon autorisation. Tu m'as déjà montré ton autorisation. Chef, DK-783, poste de contrôle. Abaissez le bouclier. Hein ? Hein ? Quoi ? À toi de jouer, bébé. Pas mal. Piratage. Droïde de sécurité. Appuyez sur pour pirater et contrôler les droïdes de sécurité. D'accord. Je peux pas passer quand même. Ah merde. Druide, afficher l'entrée. Merde. Quoi? Commandant. Il y a une entrée technique, tactique. Ainsi, si le protégé d'un bouclier utilise ses déplacements de commandeur qu'on rencontre. Ah putain, c'est tout. Ah ouais. D'ailleurs, rencontre. Système obsolète vulnérable au piratage d'un droïde plus récent. Il se déplace fortement sur le premier tir, met du temps à se déclencher, il doit... Ah putain, on a toutes les faiblesses. Ses pattes sont vulnérables. D'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Putain, fais chier, je peux pas passer, là. Donc, du coup, je suis obligé de faire demi-tour. C'est quoi, ça, là-bas? Attendez, deux secondes. Ah bah, c'est le vaisseau de... C'est un autre truc de Scrooge, je sais pas quoi, là. Donc ici, il n'y a plus rien à explorer, hein. On est d'accord. Il n'y a rien. Ah, attends. C'est quoi? Je viens de voir un truc, là, non? Ah. Un fichier. Ah, ok. Bon, bah allez, go. Hein. On y retourne. Attendez deux secondes. Hop. Je fais juste un truc. Voilà. Ok. Donc je sais pas par où ce que je dois passer là. Honnêtement, ça sera pour plus tard. Ah bah il est parti. Le monsieur là, il est parti. Ah, il y a un autre monsieur. Salut. Ah, vous êtes qui? T'inquiète. Je peux pas te parler? Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attends. Est-ce que je peux gruger le jeu? Je peux pas te parler. D'accord, ok. Bon, allez, go. Il y a des trucs au-delà de ces rochers. C'est à vous en glacer le sang. Ah, on en a des histoires à raconter. Donc, il faut que je fasse tout leur dialogue, en fait. Je vais essayer de le faire. Sur les autres... Donc là, on peut pas passer, hein, on est d'accord. Merde.
peux pas passer là. Il n'y a rien qui puisse me dire que je dois m'accrocher. Hein. Ok. Bon. On va faire demi-tour. Alors, je ne sais pas par où je dois passer du coup pour aller à... Attends, juste un truc. Ouais, attends. Attendez deux secondes. Alors, personnalisé, cale. Parce que j'ai les cheveux gominés. Ah ouais? Ah mais j'aime pas. J'aime pas. Bon. Est-ce que demain... Alors, juste voir. Entre. Viens jeter un œil. Pas mal ce que tu proposes. Ça fait partie de mes trucs préférés. Ouais, je sais pas. Ça, c'est les coupes que je peux avoir avec Cal. Lol. Non. Tu as l'œil. Non. Ça, ça me plaît bien, ça. Ça, ça me plaît, hein. Ça, non. Ça non plus, ça non, ça va encore moins, non. Et ça, ça me botte bien aussi, ça. Mais ça, en fait, ça me plaît. Je trouve qu'il est, il a un style comme ça, Cal. On verra plus tard. Ah bah, j'en ai déjà un truc comme ça. Bon bref. Allez. Bon. Il y a toujours ce truc-là à faire, mais je sais pas où. Et je sais pas comment y accéder. Ah bah en fait c'est par là. Ah, il y a une paroi là. Là il y a ça. Attends, je vais retourner voir. Je suis désolé les gens, mais alors il y a beaucoup de va-et-vient, mais c'est comme ça dans le jeu vidéo. Hein. Sans, je partage tout. Vous le savez. C'est pas par ici. C'est par ici. Non, c'est encore là-bas, plus loin. La carte, j'ai eu du mal à la comprendre aussi sur le Fallen Order. Elle a fait le temps. C'est con que les herbes, tu vois, on est sur un mode performance et les herbes ne bougent pas trop à ton passage. C'est un peu con, ça. Alors, il y avait ça. Ouais, d'accord. Ici, on a une paroi, normalement. Qui par... Mais oui! Oh là là, je suis un imbécile. Alors attends, on va juste réessayer. Non, bon, bah, bref. Allez. Ah, là aussi, il y a encore un truc là. Oh là là, mais comment je fais pour détruire ça? Bien, voilà, là. Putain, mais je suis un imbécile. Hein. Faut que je regarde mieux la carte. Voilà. Ok, d'accord. Bon, au moins, on a vu quelques petits trucs. Hein. Sans doute, vous étiez des... Alors, j'ai pas le retour, hein, pour l'instant, du premier épisode et des épisodes précédents, mais sans doute, vous avez été les premiers à dire... qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le chemin, il est là. Ok, salut. Tout va bien. Ah, ok. Salut. Donc, par ici. Juste regarder, voir s'il n'y a rien par ici. Ah, on peut aller par là. Ok, lac. Alors, le chien de dehors, il commence à me gonfler grave. Par ici. Est-ce que ça mène... Oui, ça mène à cet endroit-là, je pense. Oh. Qu'est-ce que c'est? Bien joué. Une touche mécanique. Ok. Donc, ici, on n'a pas l'avant-poste.
Donc ici c'est bien par là. Ah, les bombes, ils vont venir de là. Viens là, BD1. Cool. Et ben voilà. Voilà. Ah, ok. Aïe, enfin. Enfin. Donc, alors, attends. C'était juste ça? Ok, c'était juste ça. Donc maintenant... Ah, il faut que à chaque fois je l'active. Allez, viens. Est-ce qu'il y a un truc là? Voilà. Ok. Alors on a enquêté. Alors c'est pas des quêtes secondaires, c'est des rumeurs. Donc on a enquêté sur les rumeurs. Essence de force obtenue, niveau de force maximale augmenté, ça c'est cool. Alors maintenant je voudrais bien voir si là-bas il y avait quelque chose à péter. Je me souviens plus. Ah, il y a un truc là. Eh ben allez, go, gars. On va aller le faire, hein. Tant qu'on y est. Et on va aller voir... C'est qui la fille avec les rumeurs, là? Ah, oh, je peux pas appuyer sur... Allez, viens, suis-moi. C'est marrant quand même. Faut pas qu'elle tombe. Viens. C'est ici. Alors, est-ce que ça a pété ou pas? On va essayer. Non. Ok. Donc ça c'est fait, la rumeur là elle est faite. D'accord. Donc maintenant, il faudrait que... Produit l'avant-poste demain. Rumeur. Ah, attends, est-ce que je dois aller remettre la rumeur, ça veut dire? C'était qui m'avait donné ça? Attends. Qui m'avait donné cette rumeur déjà? Examinez. C'est le portail dont nous parlait Zed. Ah, bah il est là! Ah, bah voilà, ok, on a trouvé le chemin, c'est cool. Donc attends. La rumeur, elle est là-dedans. Donc on va rentrer. Ah. Un truc là. Ah, bah c'est. Ok. Voilà, nickel. Donc on va retourner en haut. Et on va voir si... Normalement la rumeur c'est par ici, c'est ici. Hein. Ah. Ah, je vais dire. Ici, on peut pas? Non, on peut pas. Alors, c'est qui m'a parlé de rumeurs, là? On va essayer de parler, de faire les dialogues. Écoute, petit... C'est quoi ton nom? Je m'appelle Cal. Moran. Enchanté. T'as l'air d'être un type bien, Cal. Écoute, peut-être que t'es qu'une future victime de plus des pillards du chaos, ou peut-être que t'es un tueur. Mais cet endroit te prendra tout. Compris? Barre-toi tant que tu peux. Je prends note. Alors? Comment tu t'es retrouvé mêlé aux pillards du chaos? Bah,
Et j'ai vu un verre au pylône. Puis un deuxième. Puis un troisième. Puis un... Bref, je suis sorti en titubant et j'ai un peu confondu un gros pillard avec un doubac. Ne me dis pas que t'as essayé de lui monter dessus. Je veux bien. Mais si je te le dis pas, l'histoire s'arrête ici. Je comprends pourquoi les pillards ont essayé de te tuer. Oh, ils auraient plein de raisons de le faire. On va continuer à parler à Torgel. Salut, Cal. Donc, Torgel, il veut plus. Une autre fois, peut-être. D'accord. On va essayer de faire tous les dialogues. Donc, elle a vu plus me parler. Elle. Alors, t'as trouvé de la ferraille utilisable? Des tonnes. Dès qu'un truc casse ou que les pillards se pointent, les gens renoncent à tous leurs projets. Donc, Kobo est une mine d'or pour des ferrailleurs comme nous. Ça, c'est bien vrai. Kobo est une grande planète. Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui pense comme moi. Ok, alors... Z. Hey Z, tu sais quelque chose sur le complexe de la forêt? Ma banque mémoriale est un peu rouillée, Cal, mais c'est clairement l'œuvre de Maître Kree. Comment tu sais ça? À son époque, elle était unique. Certes, il y avait d'autres scientifiques et techniciens. Mais tout ce que tu vois sur Kobo vient d'elle, d'une façon ou d'une autre. Pas maintenant, Cal. Pourquoi ne pas discuter une fois que tu seras revenu du complexe de la forêt? Cal, une autre fois, d'accord? J'attends mon bain d'huile. Tu es encore là, Cal? Ce complexe ne va pas s'ouvrir tout seul, tu sais. Tant que je peux lui parler... Depuis combien de temps tu connais Baud? Pas longtemps. On a travaillé ensemble sur Coruscant. Vous travaillez dans quoi exactement? Un peu de ci, un peu de ça. Je vois. N'en dis pas plus, Cal. Je sais quand il vaut mieux éviter un sujet. En fait, ça me rappelle une expression imagée de Calastar. Si tu te tiens sous le nid de l'oiseau Presta, la pluie tombera même dans le désert. Et quand la pluie arrive... Tu ferais mieux de t'écarter. J'aime bien la voix de Monk. Cal, on parlera plus tard. Zed et moi, on fait le point sur l'état de la galaxie. Désolé, Cal, mais je dois m'occuper de l'Antiquité. Ouh, ça me rappelle que je dois aller voir ce bain d'huile. Désolé, champion, mais je suis un peu occupé avec ta nouvelle amie. Peut-être une autre fois. Ok, c'est bon. On va faire tous les dialogues. Est-ce qui m'a donné la... Hein? Il doit pas y avoir beaucoup de clients par ici. Bon. Qui m'a donné la rumeur? Tu m'as jamais dit d'où tu venais, Baud. De nulle part. J'ai passé une bonne partie de ma vie sur Biren. C'est là qu'est Nekata. Tu connais? Non. Dans la bordure intérieure. C'est tranquille. On s'y est plus un moment. Jusqu'à ce que... Bah, t'en fais pas, BD. On garde le bon comme le mauvais, hein. On a aussi connu de bons moments sur Biren. Il faut s'en rappeler. Sinon, comment on irait de l'avant? Bon, synchronisation labiale, c'est pas merci ça, merci d'avoir bon. Veillé sur Grise pendant que je suivais cette piste. Plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Ou alors, on a plus d'ennuis. Ouh, j'ai hâte. Garde un œil sur Grise pour moi, d'accord? T'en fais pas, Cal. Occupe-toi du mystère dans la forêt. Je me charge de Grise. Ok, on va faire tous les dialogues, hein. De toute façon, voilà, comme ça au moins. Tu te charges du complexe, quoi que ce soit. Nous, on s'occupe du Mantis. Allez, c'est bon, Grise maintenant. On a tout juste réussi à s'échapper de Coruscant, Grise. J'aurais aimé que tu sois à mes côtés. Ouais, moi aussi. J'aurais moins à réparer sur le Mantis. Tu t'es déjà tiré de justesse d'un truc comme ça? Non, ouais. Une fois, j'étais dans le système de Reload, et soudain, je vois trois corvettes légères modifiées derrière moi. Et ouais, des pirates week-end. J'ai essayé toutes les techniques de fuite que je connaissais, mais j'ai pas pu les semer. Et comment tu t'es échappé? J'ai réussi à détourner l'énergie du contrôle climatique du vaisseau vers les moteurs. Ça m'a donné un coup de pouce pour me débarrasser de ces pirates. Et une nouvelle astuce pour doper la vitesse du Mantis au besoin. C'est donc pour ça que le Mantis se refroidit toujours à pleine vitesse. C'est ma botte secrète. N'en parle à personne. Vas-y, je dois faire un peu connaissance avec lui. Attendez. Allez, encore. Je me demande si Kobo aura des légendes à mon sujet. Je devrais peut-être répandre quelques rumeurs. Bon, bah apparemment c'est pas eux, mais c'est qui a dit la rumeur? Point d'hésitation. C'est un bar sympa que t'as là, Gaï. Oh, vraiment. Attends. Ça charge là? Ah, ok, d'accord. Ah, c'est pas elle qui m'a dit la rumeur?
merde, c'est qui m'a dit la rumeur? Hey. Ah non, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends rien. Ah, c'est quoi ça? Écurie. Elle est à l'aquarium du saloon. Quoi? Ah, c'est une nouvelle rumeur! Elle possède un grand aquarium entièrement fonctionnel. D'accord! Mais comment je fais pour y accéder? Merde. Qu'est-ce que je... Merde. Merde. Comment je fais? Attends. Donc, je prends la porte. Allez, Billy, en route. Attends, c'est ça le pylon On va aller, peut-être que... Attends, il m'analyse. C'est bon. C'est bien foutu, ça. Le pylon, ça nous... Ouais, c'est bien ça. Ah bah! Attends. Non, là, c'est les toilettes. Bon, ça n'a rien à voir ici. Non, c'est pas ici. Ah, interagir. Ah oui, non. C'est pas par... Ok, non. C'est pas par ici. Ici non plus. Ah, je peux reparler à Grise. Je dois dire, Grise, beaucoup de choses ont changé. Mais t'as l'air de pas mal t'en tirer. Mieux que pas mal. Attends, tu parlais de mon bras, c'est ça? C'était pas le cas, mais c'est un super bras. Où est-ce que tu l'as eu? Je l'ai eu chez une marchande d'épaves ambulante. Elle disait que ça faisait ressortir mes yeux. Qu'est-ce que t'en dis? J'avais remarqué. Je dois dire que j'ai jamais vraiment fait attention à tes yeux. Eh ben, c'est le but du bras. Vas-y, regarde un peu. Ils sont charmants, non? Donc maintenant, on peut tous leur reparler? Ah ouais. Bon, bah attends, on va faire autre chose. Attends, je continue l'histoire. Hein. Toujours pas. Donc, alors, est-ce que ça serait... Ça doit être là. Donc non, c'est par là, regarde. Donc en fait, il faut descendre là. Et l'aquarium doit être quelque part par ici. Voilà, tu vois. Non, ça c'est un établi, c'est pas l'aquarium qui suit ce bordel. Mais oui. Il est où cet aquarium de merde? Comment je fais? Je suis désolé de perdre votre temps, mais s'il y a quelqu'un qui le sait sur YouTube, dites-le moi, parce que là, je suis perdu, là. Je dois aller en haut. Si je dois retrouver l'autre que j'ai vu, là. Bon, vous savez quoi? Ça sera peut-être pour plus tard. Allez, on continue. On va bientôt mettre fin à la vidéo. Donc, c'était ça, la porte là-bas, qu'on devait aller. Alors, c'est une vidéo où il se passe pas grand-chose, mais c'est comme ça. Alors, ici, on a les écuries. Alors, on a un coffre par ici. Ah, et on peut pas y accéder. Ok, d'accord. Bon, allez, vas-y, Cal, tu peux t'accrocher là. C'est quoi ce bordel? Bon. On va parler à... Il est de retour! Ouais, moi aussi. Contente que tu sois venu sur Kobo, Cal. Tu rechignes pas à la tâche, hein?
Et tu fais toujours passer les autres avant toi. Comment tu sais ça? Les traces de terre sur ton pantalon, l'odeur de l'adrénaline, tes yeux guettent le danger, à l'affût. J'appelle ça l'œil du chasseur. Pour piéger une bête, le chasseur compte sur sa capacité à observer. Mais pour info, ton attitude amicale me trompe pas une seule seconde. Vraiment? Oh que oui. T'es né pour la chasse et tu le sais très bien. Ah, pardon. Qui t'a appris à chasser, Mozy? J'ai grandi dans une famille nombreuse. On était tous en compétition les uns avec les autres. Pour recevoir de l'attention. De la nourriture, parfois. Je devais être la plus forte pour me démarquer. Ça a pas dû être facile. Ah, maman était plus dure avec moi. Toujours à me faire remarquer mes erreurs, à critiquer mes techniques. Au moins, ça t'a permis de t'endurcir. Peut-être. Mais j'ai fini par en avoir marre. C'est sûrement pour ça que je me suis sauvée ici. J'ai à peine connu mes parents. Ouais. Ben, c'est pas toujours une mauvaise chose, tu sais. Comment des Boglings se sont retrouvés sur Kobo? Tu peux remercier Gris pour ça. Il les a amenés ici par accident, à ce qui paraît. Les pillards les tuent à l'appel. Je les ai vus. Pourquoi vouloir tuer un Bogling? Précisément. Ça se mange pas, ça se dépèse pas, on peut même pas commercer avec. Un des chefs des pillards du chaos les tuait pour s'amuser. Et tu sais où on peut le trouver? T'inquiète, je m'en suis déjà occupé. Très bien. À la prochaine. Ok. Donc, y a plus rien, on n'a plus rien à se dire. Donc là, il y a un coffre. Hein. Je peux pas y accéder. Là, il y a un vaisseau. Salut, le nouveau. Salut. Et vous allez bientôt passer à la cantina? Sûrement. Je vous défie de mettre un boulon d'entrave sur Monk. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce qu'il refuse de me servir. Rien, que dalle. Je le paierai quand j'aurai des crédits. Ok. Alors attends, c'est quoi le vaisseau là-bas? Ah là, il y a un autre robot là. Waouh, c'est quoi ça? Ok. Attends, on va essayer de le piéger lui. Ok. On devrait peut-être se reconvertir en prospecteur, hein, BD? Ah. Vos cicatrices indiquent que vous avez connu la souffrance. C'est vrai. Ah, il y a quelqu'un pas loin. Donc... Il y a des douleurs, il y a des cicatrices que tu ne vois pas. Attends, je vais juste aller voir là, voir ce qui se passe. Alors... Ça va, ils sont pas difficiles. On va regarder voir s'il n'y a rien par ici. Non. Que dalle. Donc du coup, il faut aller en haut. Je vais aller par là. Ça indique qu'on peut que c'est par là. Ok. Je sais pas si c'est par ici. Que je viens là. Par ici, y'a rien. On va regarder. Hein. Bon, ici, on pourra grimper en haut. Ok. Moi, je vais juste voir l'entrée de la porte là. Oh, bah, des fois, il y a des sentiments là que. Le jeu est bien, mais. Je peux compter sur toi pour maintenir ta position. Je serai prêt. C'est tendre. Il a eu un bug de dialogue. Bassin du fort. Ok. Cible repérée.
Ah oui, c'est vrai, j'ai le truc maintenir rond là. Ok. Ah bah elle est là la porte. Voilà. Bon, y a pas besoin de se reposer. Voilà, comme ça au moins ils réapparaissent bon, pas. On y va. Alors par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oh. Crash Bill. Est-ce que je pourrais grimper là? Ou est-ce qu'il faut que je fasse tout le tour? Je dois faire tout le tour, je pense. Allez, on va essayer. Oh là, il y a trop de trucs à regarder là. Oh! J'ouvre le feu. Je tire une grosse. Ah! Je savais pas qu'on pouvait faire ça. De la part. Allez, viens. Ok. Oh putain. Putain, j'ai eu le réflexe. Hein. Heureusement, j'ai eu le réflexe. Oh merde, c'est rouge. Est-ce que je peux le pirater? Yes. Oh, nouveau pantalon tactique, ça c'est cool. Attends, on va repasser par là. C'est un peu flou-flou hein, quand même. Il est beau le jeu, mais il faut pas regarder de tout prix quoi. Bon. Allez, je le tente. Il fallait passer par là. Alors attends, parce que ici on a ça aussi, là-bas. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah. On verra si ça peut intéresser demain. Oh. Voilà. Ok. Essence santé obtenue. Ah, ça c'est cool. Donc, si je vais... Alors, comment je fais? Yes. Encore de la priorité. Ok, donc je passais par là, après j'aurais grimpé là, j'aurais été là. D'accord, du coup, j'ai bien fait d'aller là. Alors, ici, il n'y a rien. On arrive de l'autre côté, voilà. Oh! D'accord, ok. Ah. Ok. Droïde rapproché. Alors ici, est-ce qu'il y avait un... Il n'y avait pas de coffre ici. Hein.
Ici. Si, il y avait un coffre. Oh ! Il m'a fait peur, hein. Fou. Ok, à nouveau haut, on va bientôt arrêter. Ah. Intéressant. Alors, montre. 2, 1, 11 grosses graines. Et on arrive à la porte. La patrouille impériale devrait passer par ici d'une minute à l'autre. On grouille, on grouille. Allez, venez. Pathétique. Aïe. Tu vas souffrir. Ah ouais, je peux me faire ça aussi. Mais non, mais... Ça te plaît. À ton tour. Allez, venez. Aïe. Allez. Voilà. Hop. BD, aide-moi. Donc là, on a débloqué le raccourci. Donc, examiner. Ces pillards parviennent à repousser l'Empire. Au moins, ils servent à quelque chose. Ok. Vous savez quoi ? On va méditer. Ah bah non. C'est parti. Ok. Et bah ça, ça sera dans une prochaine vidéo.